Funding for this program was provided by the Annenberg CPB Project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Mireille's parents have invited Robert for dinner. He finds the Belleau apartment with a little help from someone who turns out to be a TV weatherman. He gets a guided tour. Mireille warns Robert that another friend, the super aristocratic Hubert, is yet to come. Jeudi soir, Robert va dîner chez les Belleau. Il est un peu perdu. Ne le suivez pas, il est perdu. Il arrête un passant. Pardon, monsieur. Excusez-moi, je suis un peu perdu. La rue de Vaugirard, s'il vous plaît. C'est par ici, c'est par là, c'est de quel côté? Non, c'est par là, c'est tout près. Vous y êtes presque. Merci, au revoir. Vous en prie. En effet, peu après, Robert débouche dans la rue de Vaugirard. Ça doit être par là. 54? Non, alors c'est par ici. Quarante-six? Vingt-huit? Douze? Mais où est-ce que c'est le 18? Il n'y a pas de 18? Ça n'existe pas. Ça alors? Est-ce que Mireille m'aurait donné un faux numéro? Le nom. Voilà. 18, c'est ici. C'est un immeuble assez ancien, à 5 étages, avec un 6e étage sous le toit. Près de la porte d'entrée, il y a un bouton et un petit écriteau qui dit « Sonnez et entrez ». Robert appuie sur le bouton, pousse la porte et entre. La lumière s'éteint aussitôt. Le vestibule est sombre et sent le pipi de chat. Robert cherche une liste des locataires. Il n'y en a pas. Il se dit qu'il aurait dû demander à Mireille à quel étage elle habitait. Cela aurait été plus simple. Sur la porte vitrée de la loge de la concierge, il y a un écriteau qui dit « Frappez fort ». Robert frappe. Aucun effet. Il frappe plus fort. Belleau, s'il vous plaît. Georgette Belleau, au 5e au fond de la cour. Non, monsieur et madame Belleau. Ah, eux, ils habitent au 4e droite. Prenez l'escalier en face, l'ascenseur marche pas. L'ascenseur est petit et paraît fragile. Même s'il avait marché, Robert aurait sans doute préféré monter à pied. Au pied de l'escalier, au rez-de-chaussée, un petit écriteau ordonne « Essuyez-vous les pieds ». Robert obéit, il s'essuie les pieds. Arrivé sur le palier du 4e, il remarque près de la porte de droite une petite carte de visite qui dit « Monsieur François Belleau, ingénieur et cap ». Il donne un coup de sonnette discret. Une jeune fille souriante ouvre. Ce n'est pas Mireille. Ah. Excusez-moi, j'ai dû me tromper. Je cherchais les Belleau. C'est bien ici, vous ne vous êtes pas trompé. Vous devez être Monsieur Taylor, sans doute. Je suis Colette Besson, une amie de Mireille. Entrez donc. Dans l'entrée, Robert remarque un grand vase avec une demi-douzaine de roses qui se reflètent dans un miroir, ce qui complète heureusement la douzaine. Américain. Voyons, Marie-Laure, veux-tu être polie? Qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est mon cow-boy adoré. Salut, cow-boy. Où est-ce que tu as laissé ton cheval?
Je l'ai attaché dans le jardin en bas. Tu as bien fait, parce qu'ici, on n'a pas de place. Et tu sais, on n'a pas trop l'habitude de recevoir des cow-boys avec des chevaux. Si vous voulez bien vous asseoir un instant au salon, je vais prévenir Madame Mello. La pièce dans laquelle se trouve Robert est une assez grande salle de séjour qui communique avec la salle à manger, où la table est déjà mise pour sept couverts. Divan, quelques chaises, des fauteuils Louis XVI et Second Empire, un piano, au mur, deux ou trois tableaux modernes. Madame Mello entre. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Madame. Les Courtois nous ont beaucoup parlé de vous. Suivi de Monsieur Bello. Taylor, très heureux de vous connaître. Monsieur. Bonjour Robert, comment vas-tu? Je vois que tu as déjà fait la connaissance de mes parents. Marie-Laure, éteins la télé, s'il te plaît. C'est le bulletin météo. Et Robert, tout étonné, reconnaît le présentateur. Mais je le connais, monsieur. Vraiment? Pas possible. Sans blague! Tu connais Alain Gilopétré? Depuis quand? Depuis tout à l'heure. Je l'ai rencontré dans la rue. J'étais un peu perdu. Il m'a indiqué la rue de Vaugirard. Et il y a longtemps que vous l'avez vu? Non, tout à l'heure. Il y a une demi-heure, peut-être. Eh bien, il a fait vite pour aller au studio. Ah ouais? Il avait l'air pressé. Et tu lui as parlé? Oui. Il va peut-être parler de toi, un cow-boy américain perdu dans les rues de Paris. Marie-Laure, tu es insupportable. Dites donc, il fait bien chaud ici. Allons un moment sur le balcon, je vous montrerai la vue. Une vue imprenable, comme vous voyez, avec les jardins du Luxembourg juste en face. Là, le Sénat, naturellement. Là-bas à gauche, c'est le Panthéon. Et sur la droite, là-bas, hélas, la tour Montparnasse. 58 étages. Une horreur, une catastrophe. On la voit de tout Paris. Et la tour Eiffel, on ne la voit pas? Non, pas d'ici. Elle est plus à droite. On la voit des pièces qui donnent sur la cour. Venez, monsieur Taylor. Ici, c'est notre chambre. Là, la salle de bain. Mais on ne peut pas voir la tour Eiffel d'ici. Hein. On peut en apercevoir le sommet des pièces qui sont de ce côté, sur la cour. Monsieur Bello et Robert reviennent vers le salon. Vous avez vraiment un très bel appartement. En passant devant la cuisine. Eh bien, on dirait que tout le monde est à la cuisine. Nous aimons bien cet appartement. Nous habitions déjà ici quand Mireille est née. Il est très bien situé en plein midi. Et il y a beaucoup de soleil. Excusez-moi une minute, je vais préparer les apéritifs. Robert et Mireille sont un instant seuls sur le balcon. C'est vrai que vous avez une vue magnifique. Oui. Dis donc, je voulais te dire, mes parents ont invité un copain à moi, Hubert de Pinot-Chambrun. C'est un ami d'enfance et il vient d'une famille très aristocratique. Et il est toujours en train de parler de sa famille, de ses ancêtres, de leurs chasses, de leurs chevaux, de leurs châteaux. La famille possède une grosse entreprise de construction. Mais il ne faut pas trop le prendre au sérieux parce qu'en fait, il joue. Et il joue remarquablement bien son rôle de grand aristocrate. C'est un drôle de type, tu verras. Il est très amusant. Enfin, moi, il m'amuse. Il m'amuse énormément. Ben tiens, ce doit être lui. Vous avez peut-être remarqué que Robert se perd souvent. Alors, il est obligé de demander son chemin. Par exemple, quand il allait chez les Courtois, il s'est retrouvé à la Défense. Mademoiselle, s'il vous plaît, la tour Totem. Je ne connais pas. Ici, vous êtes à la Défense. Ce n'est pas par ici, je ne crois pas. Il reprend le métro et un quart d'heure plus tard, il se retrouve à Montmartre. Excusez-moi. Le quai de Grenelle, s'il vous plaît. La tour Totem, c'est par ici. Le quai de Grenelle, mais c'est dans le 15e. Ici, vous êtes à Montmartre. Ici, il veut aller à Provins et il demande où est Fontainebleau. Pour aller à Fontainebleau, c'est par là. Oui, remontez le boulevard Raspail, là devant vous. Et trois heures après, il se retrouve en pleine Bourgogne. Pardon, monsieur, Paris, c'est bien par là. Aujourd'hui, il doit aller chez les Bellons. Il s'est encore perdu. Ne suivez pas, il est perdu. Il rencontre un monsieur et il lui demande son chemin.
Pardon, monsieur, excusez-moi, je suis un peu perdu. La rue de Vaugirard, s'il vous plaît. C'est par ici, c'est quel côté? C'est par là? Non, c'est par là, c'est pas loin, vous y êtes presque. Quelques minutes plus tard, chez les Bello, il voit ce monsieur à la télévision. Donc 17 degrés à Perpignan, on est 4-5 degrés au-dessus des normes saisonnières, on ne comprend plus rien. Mais je le connais, ce monsieur. Vraiment? C'est Alain Gillot-Pétret qui fait le bulletin météorologique. Quelle coïncidence! C'est que Robert a fini par arriver chez les Bello, mais il a eu du mal. Il a fini par trouver la rue de Vaugirard, mais il ne trouvait pas le numéro 18. Enfin, il a fini par le trouver. C'est un immeuble de la fin du 19e siècle avec 5 ou 6 étages. C'est cet immeuble-là au numéro 2. Deuxième étage, porte à gauche. Au centre de Paris, la plupart des immeubles ont 5 ou 6 étages. Sauf la tour Montparnasse qui a 58 étages. Le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage, le cinquième étage sous le toit. Les toits. Des toits. Les toits de Paris. Donc Robert finit par trouver la maison des Bello. Il y a une grande porte, il sonne, il appuie sur le bouton et pousse la porte. Au moment où il entre, la lumière s'éteint. Elle éteint, elle allume. Les lumières s'allument, les lumières s'éteignent. Ici, les phares sont allumés et ici, ils sont éteints. On peut aussi allumer ou éteindre un feu, une cigarette, la télé. Éteignez votre cigarette, mon vieux. Marie-Laure, éteins la télé, s'il te plaît. Éteins partout. Et ici, on allume. Je vais allumer. Non, arrête, ça me gêne. Il éteint. Il allume. Arrête, je te dis que ça me gêne. Il éteint. Il rallume. Robert ne sait pas à quel étage Mireille habite. Alors il cherche la concierge pour le lui demander. Il frappe. Aucun effet. Personne ne vient, personne ne répond. Il frappe plus fort. Bello, s'il vous plaît. Georgette Bello, au cinquième au fond de la cour. Au cinquième au fond de la cour. Au cinquième, elle veut dire au cinquième étage. C'est au premier les chambres, monsieur. Eh bien. Vous pouvez y aller, papa. Au premier, ça veut dire au premier étage. Alors, c'est à quel étage? En haut, au dernier. Bello, s'il vous plaît. Georgette Bello, au cinquième au fond de la cour. Elle habite au cinquième étage, au fond de la cour. Votre bureau, c'est pas au fond de la cour? La cour? Voilà une cour. Une vieille cour. Une cour de ferme. Une cour d'école. Une cour. Très souvent, à Paris, les immeubles ont une cour intérieure. Il y a des appartements sur la rue et il y a des appartements sur la cour. Un appartement sur la rue, un appartement sur la cour. L'appartement des Bello n'est pas sur la cour, il est sur la rue, au quatrième étage. Il faut prendre l'escalier. L'escalier, vous vous rappelez? Il y a un ascenseur, mais il est en panne. Là, il y a un ascenseur et il n'est pas en panne. Voilà un ascenseur moderne. L'ascenseur chez les Bello est plus ancien. Et ce jour-là, il ne marche pas. Il est en panne. Ici, l'ascenseur tombe en panne. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur? Je sais pas. C'est une panne. Mesdames, messieurs, ne vous affolez pas, ce n'est rien. Un petit incident, nous allons vous faire descendre. Mais c'est scandaleux!
À partir d'un certain prix des chambres, les ascenseurs ne doivent pas tomber en panne. Écoutez le petit échange entre Robert et la concierge. Ensuite, vous répondrez à Robert comme si vous étiez la concierge. Bello, s'il vous plaît. Georgette Bello. Au cinquième au fond de la cour. Non, monsieur et madame Bello. Ah, eux, ils habitent au quatrième droite. Il y a un ascenseur ? Non. Prenez l'escalier en face, l'ascenseur ne marche pas. Maintenant, à vous. Vous êtes la concierge. Bello, s'il vous plaît. Georgette Bello. Au cinquième au fond de la cour. Georgette Bello. Au cinquième au fond de la cour. Georgette Bello. Au cinquième au fond de la cour. Non, monsieur et madame Bello. Ah, eux, ils habitent au quatrième droite. Ah, eux, ils habitent au quatrième droite. Ah, eux, ils habitent au quatrième droite. Il y a un ascenseur ? Non. Prenez l'escalier en face, l'ascenseur ne marche pas. Non. Prenez l'escalier en face, l'ascenseur ne marche pas. Non. Prenez l'escalier en face, l'ascenseur ne marche pas. Robert va monter par l'escalier. Essuyez-vous les pieds. Robert, docile, s'essuie les pieds. Il s'essuie les pieds. Il s'essuie le front. Elle s'essuie les mains. Et lui, il essuie un chapeau. C'est le verbe essuyer. Maintenant, Robert est dans l'entrée. Cette dame est dans l'entrée. Dans l'entrée, il y a un vase avec une demi-douzaine de roses, c'est-à-dire 6 roses. Derrière le vase, il y a un miroir. Un miroir. Un miroir. Les 6 roses se reflètent dans le miroir, ce qui fait une douzaine de roses. 6 roses dans le vase et 6 roses dans le miroir, 12 roses. Les roses se reflètent dans le miroir, c'est le verbe se refléter. Ici, les maisons d'en face se reflètent dans les fenêtres. Voilà des gens qui se reflètent dans des vitrines. Les arbres se reflètent dans l'eau. Ici, ce sont des flamants roses qui se reflètent dans l'eau. Ici, c'est un château qui se reflète dans l'eau. Ici, les tours se reflètent dans l'eau. Ici, les bateaux et les maisons se reflètent dans l'eau. Ici, c'est l'abbaye de Brantôme qui se reflète dans l'eau. Ce sont des réflexions. C'est mon cow-boy adoré. Les Français adorent les cow-boys. Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, est un héros très sympathique. Remarquez que les Français aiment aussi beaucoup les Indiens. Bon, maintenant, visitons l'appartement. Nous avons déjà vu l'entrée, voilà maintenant la salle de séjour. C'est une salle de séjour plutôt qu'un salon. Voilà un salon. Dans la salle de séjour des Bello, il y a un divan et des fauteuils. Un divan et des fauteuils. Des fauteuils Second Empire. Un fauteuil Louis XVI. Un fauteuil chez la tante de Marcel Proust. Une chaise. Des chaises de jardin. Des chaises de café, des chaises d'église. Voilà quelqu'un qui répare les chaises. Lui aussi, il répare les chaises. Il y a un piano, un piano, un piano, par terre, une moquette. Sur le mur, quelques tableaux. Un tableau. La salle de séjour communique avec la salle à manger. Il n'y a pas de porte entre les deux pièces. C'est presque la même pièce. La salle de séjour s'ouvre directement sur la salle à manger. Dans la salle à manger, la table est mise pour 7 couverts. Un couvert. Bonjour monsieur. Un couvert, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Ici, la table est mise pour 7 couverts. Ils vont être 7 ? Voyons. Monsieur et Madame Bello, ça fait 2. Mireille, ça fait 3. Colette, ça fait 4. Marie-Laure, ça fait 5. Et Robert, ça fait 6. Qui est le 7e ? Mystère et boule de gomme. Il y a 3 chambres à coucher dans l'appartement des Bello. La chambre des parents, la chambre de Mireille et la chambre de Marie-Laure. Il y a aussi une salle de bain.
Il y a aussi une cuisine. Voilà la cuisine des Courtois. La cuisine de Tante Georgette. La cuisine de la maison de vacances. Et voilà la cuisine de la tante de Marcel Proust à Illier. Une salle de séjour, une salle à manger, trois chambres à coucher, une salle de bain et une cuisine. Au total, ça fait 7 pièces. 7 pièces en comptant la cuisine et la salle de bain. Mais sans compter l'entrée et le couloir, qui ne sont pas vraiment des pièces. Et à quel étage habitez-vous ? Au 5e. Qu'est-ce qu'il y a comme pièces dans votre appartement ? C'est un studio. Il y a une pièce principale et 2 petites chambres. Il y a une cuisine ? Oui, toute petite. Autre chose ? Une petite salle de bain. Combien de pièces avez-vous ? Il y a 4 pièces. Quelles sont ces pièces ? La salle de séjour, 2 chambres, et puis le débarras, la salle de bain, les WC et tout, quoi. Vous n'avez pas de cuisine ? Oui, oui, la cuisine aussi, oui, une grande cuisine. La salle de séjour et la salle à manger des Bello donnent sur la rue. Il y a un balcon. Des balcons. Un balcon. Un balcon. De ce balcon, on a une très jolie vue. On a la vue sur les jardins du Luxembourg. Allons un moment sur le balcon, je vous montrerai la vue. C'est très important, la vue. Tout le monde veut avoir une vue. La vue. Oh. Une vue sur les Pyrénées. Une vue sur la vallée et le lac. Une vue sur la vallée. Une vue sur les Calanques. De chez les Courtois, on a une vue sur Paris. Du balcon des Bello, on voit le Sénat et le Luxembourg. Le Panthéon et la tour Montparnasse. Mais on ne voit pas la tour Eiffel parce qu'elle est de l'autre côté. Mais on aperçoit le sommet de la tour Eiffel des fenêtres qui donnent sur la cour. De ces fenêtres, on voit aussi les tours de Saint-Sulpice. Voyons, faisons le tour des tours. Les tours de Notre-Dame, les tours de la cathédrale de Chartres, les tours de Carcassonne, une tour du château de Chinon, les tours d'un château de la fin du Moyen-Âge, les tours d'Aigues-Mortes, la tour Eiffel, les tours de la Défense, la tour Montparnasse. Une horreur, une catastrophe. Monsieur Bello n'aime pas la tour Montparnasse. Elle ne lui plaît pas. Il dit une horreur, parce qu'il n'aime pas ça. Écoutez. Je sers le thé, madame. Le thé, quelle horreur! C'est le scotch aujourd'hui. À part la tour Montparnasse, qui est une catastrophe, une horreur, Monsieur Bello est très fier de sa vue. Nous aimons bien cet appartement à cause de la vue. Une vue imprenable à cause du jardin du Luxembourg. Ça appartient à l'État. Personne ne pourra jamais construire devant chez nous et nous prendre notre vue. Une vue imprenable. Mireille explique à Robert qui va être la 7e personne au dîner. C'est Hubert. Dis donc, je voulais te dire, mes parents ont invité un copain à moi. Hubert de Pinot-Chambrun. C'est un ami d'enfance et il vient d'une famille très aristocratique. Et tu verras, il est toujours en train de parler de sa famille, ses ancêtres. Sa famille possède tout un tas de châteaux, de chasses, avec des chiens, des chevaux, tout ça. La famille possède une grosse entreprise de construction. C'est un drôle de type, tu verras. Il n'est pas comme tout le monde. Et il est amusant. C'est un drôle de type. Regardez, vous allez voir un drôle de lapin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un lapin. Bah, c'est un drôle de lapin. Qu'est-ce qu'il a de drôle, mon lapin ? Voyons maintenant ce que vous pouvez dire. Regardez, écoutez, réfléchissez et parlez. Vous voulez aller rue de Vaugirard. Vous êtes un peu perdu. Vous arrêtez un passant, qu'est-ce que vous lui dites ? Pardon, monsieur. Excusez-moi, je suis un peu perdu. La rue de Vaugirard, s'il vous plaît.
D'après vous, ça, c'est le rez-de-chaussée ou le sixième étage? Le sixième étage. Regardez là, les phares sont éteints ou allumés? Éteints. Et ici, la lumière est allumée ou éteinte? Allumée. Regardez bien, ça, c'est une rue ou une cour? Une cour. Et ça, c'est un escalier ou un ascenseur? Un escalier. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une chaise ou un fauteuil? Un fauteuil. C'est une salle à manger ou une chambre à coucher? Une salle à manger. Vous avez un très bel appartement. Oui, nous l'aimons beaucoup. Il est très bien situé, il y a beaucoup de soleil. Il est très bien situé, il y a 6 pièces, en comptant la cuisine et la salle de bain. Il y a beaucoup de soleil, les toilettes sont de style Louis XVI. Et gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Ouh, il m'agace ces deux-là. J'en ai assez, je vais dormir. J'en ai assez, je me couche. Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Guignol? Qu'est-ce que vous faites? Je me couche. Mais ce n'est pas une chambre à coucher, c'est une salle à manger. Tant pis, mademoiselle Mireille, je suis fatigué, je me couche. Oh, il est insupportable, ce monsieur Guignol. Oh, se coucher dans ma salle à manger? Non, non, vraiment, écoutez. Oh, non. Tenez, venez sur le balcon, je vous montrerai la vue. Une vue imprenable.